car ça évoque un peu de l'alcool. Ouais, c'est en dehors du ok. Je pense que moi j'ai un passif avec ça, tu sais. Avec l'alcool à l'image, j'ai pas trop le dessus, plus trop loin. Ouais. Ah. T'as signé une charte? Bah vas-y, je vais poser la première question. Ok, ça marche. Donc Manu, tu as coécrit le film avec Simon. Par contre, je me rappelle plus du prénom de. Moutéron, ouais. Comment ça t'est arrivé cette idée en fait de faire ce film hein, qui moi j'appellerais un peu le entre parenthèses le Véry Bad Trick français. Eh ben écoute, ok. Non, c'est pas mon idée. C'est l'idée de Simon en fait qui a fait HEC avec ces deux garçons. Il les connaissait, les vraies personnes. C'est pas l'histoire d'un enterrement de vie de garçon, c'est l'histoire d'une boîte qui organise des enterrements de vie de garçon et des mecs qui ont monté cette boîte-là et qui existe encore aujourd'hui. Et donc comment l'idée est arrivée, comment ils sont allés s'installer en Hongrie et puis comment ensuite ça a failli capoter en fait l'histoire. C'est surtout l'histoire vraie de ces deux. C'est le succès de la création d'une boîte et puis les problèmes liés à ce succès aussi, parce que c'est... on peut pas trop dire, mais bon, il y a des petites histoires, des petits quiproquos. Alors du coup, c'était comment les tests quand vous êtes allé en Hongrie, c'était comment? Vous avez ressenti comment? C'est-à-dire que de tester l'offre. Oui, oui. Vous avez aimé? J'ai démenoté une femme pendant une soirée et c'était pas ma femme, donc j'ai pas... Il y a des moments où j'étais pas... j'avais pas le choix en fait. Mais non, mais j'ai bien aimé, j'ai surtout aimé la créativité de ces mecs-là, comment ils sont forts, les idées qu'ils ont, elles sont dingues. Moi, j'aurais jamais trouvé des choses pareilles. Il faut savoir que toutes les activités qu'on monte dans le film, elles existent vraiment. Et c'est eux qui ont l'idée de faire du char d'assaut, ils sont allés chercher un loueur de char. Va chercher un loueur de char, là, maintenant, un gars qui loue des chars, c'est vraiment, c'est un délire. De vendre le fait de se faire attaquer par des chiens, c'est quand même très dingue, tu vois. C'est fou, ouais. Et ils y sont arrivés. Et donc, en fait, les cerveaux les plus malades dans cette histoire, c'est les leurs, hein, c'est ceux des vrais garçons. Alors, j'ai aimé l'offre, oui, mais j'ai surtout aimé les deux gars, à quel point les mecs sont créatifs, inventifs. Ouais, sans limite. Sans limite, voilà. Les personnages, quand vous les avez choisis, vous avez directement pensé à ces acteurs ou pas? Non. D'abord, j'ai écrit avec Simon les personnages tels qu'on les imaginait. Et puis ensuite, au fil du temps, au fil de l'écriture, on s'est rapproché de Jonathan d'abord parce que je cherchais le binôme pour Vincent. Donc il fallait trouver Arnaud. Et Jonathan, il correspondait quand même vachement à ce personnage. Et puis après, j'avais envie de folie, de nouveauté, de jeunesse. Et du coup, ça tombait bien. J'avais rencontré Poulpe peu de temps auparavant, vraiment, plus longtemps que juste le temps d'une cuite, quoi. Et puis, bah, j'ai soumis l'idée au producteur de le prendre dans le rôle de Giorgio. Et bah, c'était une grande réussite. Je m'en félicite. C'était une grande réussite. C'est ça que tu allais dire. Ouais. Ouais. Et vous, Poulpe, le rôle de Giorgio, comment vous l'avez appréhendé? Moi je me suis dit, donc ils m'ont vraiment laissé créer le personnage visuellement et tout, et ça c'est trop bien de m'avoir laissé ce truc-là, cette chance-là de proposer ce truc-là bizarre. Et du coup moi je l'ai créé en me disant que ce mec-là avait une vie ailleurs, et que le film, quand on le voit dans le film, c'est 10% de sa vie, et il fait plein d'autres trucs à côté, on sait pas trop ce qu'il fait, et c'est pour ça qu'il revient... tu vois, avec des tatouages différents, un bras dans le plat, machin, des trucs, des... Et donc du coup, je trouvais ça intéressant ce personnage hors champ en fait, où il vient dans leur vie, il est hyper content de les voir, puis après il disparaît, puis il revient, etc. Et du coup, ouais, moi je me suis construit comme ça, ce truc-là. Moi je trouve que c'est réussi parce que chaque apparition, Giorgio, il ramène quelque chose encore de plus ouais. Dingue. Ouais. Merci pour lui. À chaque passage, pour les nouveaux clients, pour sa festif. Ou... Ben on dirait qu'il a des nouvelles créations, des nouvelles idées. C'est un rendez-vous, Giorgio. C'est ça. Ouais. C'est comme ça qu'on l'a écrit, et Poulpe en a fait vraiment à réaliser notre rêve, à incarner notre rêve. C'est que Giorgio, c'est un rendez-vous. C'est-à-dire que tu sais que quand tu vas à Buda, Quand les deux y vont, eh ben, il y aura Georgiou à un moment, il va arriver. Donc tu as hâte aussi de le retrouver. Oui, c'est de passer une bonne soirée. S'il n'y a pas Georgiou, tu passes une mauvaise soirée. Voilà. Exactement. Ce qui est intéressant dans l'écriture de Simon et Manu, c'est que Georgiou, c'est un personnage hyper sympa et tout le monde l'aime bien et c'est le bon copain. Mais en vrai, quand tu regardes concrètement dans le film, toutes les merdes qui leur arrivent, en fait, c'est à cause de Georgiou. Donc en fait, quelque part, c'est un peu leur pire ennemi en même temps, quoi. Et je trouve ça intéressant aussi, ce personnage qui est... qu'on adore et qui en fait qui met l'enfer dans leur... personnage extrême. Ouais. Vous êtes comme ça aussi dans la vie? Pas du tout, je suis une vraie douceur. Je crois. Merci beaucoup. Juste vous avez une question? Dernière question, oui, c'était pour vous Manu, vous avez excellé cette année au Festival de Cannes. C'est au César. Oh, c'est con, ça s'est joué de peu. Ouais. Mais j'étais au Festival de Cannes. Ça se trouve, vous m'avez été un maître de cérémonie. Je voulais dire, à Cannes, vous étiez un excellent spectateur. Vous avez écouté vraiment très bien. Au César. Ouais. C'est peut-être un lapsus, hein. C'est-à-dire pour plus tard, c'est peut-être toi qui seras le maître de cérémonie à Cannes. Ouais. Est-ce que vous avez la pression pour ce film? Vous le vivez comment? C'est un rapport. Le film? Oui. Ce film-là? Oui. Ah bah oui, j'ai envie. Ah bah j'ai pas la pression, mais je... Bah on sort un film, quoi. Sortir un film, c'est toujours... Ça compte très fort. Comme je disais tout à l'heure, un film, son histoire, elle démarre... Pour vous, elle a démarré ce matin. Je sais pas, vous l'avez vu ce matin? Non, tout à l'heure, là. Voilà, pas longtemps. Ah bah pour vous, elle a démarré il y a quelques heures, mais pour nous, cette histoire-là, elle a démarré... D'abord, il y a 4 ans, puis 3 ans, parce qu'il y a 4 ans, ça ne pouvait pas se faire. Et puis ensuite, eh ben... Il y a une écriture, il y a 10 versions de scénarios, en général, hein, je parle pour les films en général, 10 versions de scénarios, le casting, des acteurs qui ne peuvent pas, des acteurs qui ne veulent pas, des actrices qui ne veulent plus, enfin, tout ça c'est notre vie, c'est notre quotidien, c'est ce qui fait que quand vous ne nous voyez pas en fait, bah, c'est ce qu'on est en train de faire, en gros. Donc du coup, personne ne sort un film dans la détente et en se disant on s'en fout. Parce que c'est pas une photo que tu postes sur Insta, c'est ta gueule mais en très grand. Donc vous voyez déjà l'effet que ça fait quand on poste une photo sur Insta et qu'on attend le premier like, et ben voilà, imaginez une sortie de film au cinéma, c'est encore... Il y a plus de likes. Et vous en avez beaucoup de likes. Bah c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.